Auditeurs de Scope FM en Haïti et à l'étranger, bonjour, bonjour, bonsoir une nouvelle fois et bienvenue à la rubrique Article 19. Notre invité ce matin, Jean-Tel Joseph, président de l'Entente nationale pour la stabilité et le progrès. Jean-Tel Joseph, bonjour et bienvenue sur Scope FM. Bonjour Mano, bonjour aux auditeurs et aux auditrices internautes qui branchaient Radio Scoop FM, m'a salué spécialement PDG à M. Gary et son plaisir pour nous le matin inviter dans le journal là, M. Manon. Entente nationale pour la stabilité et le progrès, une nouvelle plateforme politique pour qui ça, plateforme ça a créé dans le contexte actuel. Bon. Et comme vous connaissez, M. Mano, nous gagnons un ensemble d'entités politiques qui ont évolué sur le terrain, hein, qui, majorité là-dedans, ont des mêmes tendances. Et faut souvent nous parler de. Nous parler même bagage, nous gagnons même langage. Parfois, nous gagnons même public. Ensuite, gagnons de l'autre groupe tout. Qui même les nous pour autant de yo, mais qui gagne des travail important qui a fait souterrain. Dans sens ça, nous estimons que et nous devons faire une façon pour nous rassembler le maximum possible de groupes politiques pour que nous capables pas enfoyer population. Hein, pour que nous capables mieux adresser problème pays. À un moment où nous avons un président qui offre une opportunité pour nous arriver à sa nouvelle état général sectoriel de la nation, côté que le président dans l'esprit où il plaît pour lui adresser l'ensemble des problèmes qu'a traversé pays, hein, eh bien nous chaque grande partie ça nous estime que nous chaque gon façon nous wè bagay yo dans les nouvelles aux mêmes gens nous dit an nous mettez tête nous ensemble non premier temps pour nous capable garder comment nous capable porter contribution pas nous nan gros projet ça avec le président gagnant. Deuxièmement, comment nous capable adresser de manière globale problème population qui gens nous capable comment pour gagner stabilité dans le pays, hein? Parce que nous rendons compte, à chaque fois qu'un président monte sous pouvoir, pour groupe monde qui arrange pour déstabiliser, et que ça, qu'on ça fait, porter de résultats négatifs, côté problème population, problème pays, hein? Pas adressé. Ensuite, nous estimons que, même pour les élections, tout en gen plus entité qui gen même tendance yo mette tête yo ensemble yo bay plus résultat. Donc dans sens ça nous prend initiative nous créer entente là pour nous assurer nous que nous gen stabilité dans pays an, parce que faut gen stabilité parce que c'est seule condition pour gen travail pour gen développement que nous tout attend là que c'est seule condition pour nous stopper hémorragie côté jeunesse noire obligé à quitter Haïti jeune fille jeune garçon noyo pour y aller immédiatement au Chili pour y aller immédiatement au Brésil pour y aller immédiatement en République dominicaine pendant que nous nos pays nous gain capacité si nous mettons nous ensemble pour nous développer pays hein, pour nous créer conditions pour tout haïtien capable vivre à l'aise la caillou c'est tout un gros combat qui en tant que choisi pour nous mener pour un de stabilité, deux pour gagner progrès dans le pays. Et combien partis qui fait partie de l'entente là? Laissez-moi. Juste une minute, je ne parle pas là. Gagner entité politique qui a inscrit.
Hier, dans le moment où nous avons déjà avec environ 14 entités politiques, plus d'une vingtaine d'organisations, et comme sous-cri des rassemblements, ce n'est pas une plateforme électorale. Moi, j'étais encore dans la conférence là, des entités politiques qui t'ont inscrit. Donc, yo en pile, et nous obligés à prendre toute disposition pour jeudi prochain, nous allons en conférence de presse, pour nous présenter l'ensemble des entités politiques qui constituent un tant que dans la presse. Mm-hmm. Mais pour l'instant, comme nous environ 14 entités, ça fait environ, c'est parce que entités politiques ont continué à fin inscrit. Mm-hmm. Et m'a précisé pour nous, nous gagnons son modèle de direction que nous gagnons. En tant que là, il crée avec un présidium, côté que, en tant que là, tout le monde gagne même autorité, pas grand question de petit parti, pas grand question de gros parti, pas grand question de petit organisation, pas grand question de gros organisation, c'est tout le monde qui la donne. Et m'a dit, en tant que là, recevoir trois groupes de membres, d'abord les partis politiques, ensuite les organisations, ensuite les personnalités importantes qui peut-être pas membre organisation, qui peut-être pas membre parti politique, mais qui vont voir que qui vont voir que tout le monde respecté, qui ont notoriété, le vrai mot dans la société. Donc en gros, nous attendons nos tabios, nous attendons parti politique, nous attendons organisation parce que nous voulons offrir avec PIA une nouvelle formule d'organisation. Nous voulons, je dis, faire des ententes là, une structure politique qui a capacité pour charrier les vraies revendications de la population. Donc, objectif là, c'est mettre ensemble et toute partie politique qui semblait, qui partageait même vision et regrouper ensemble. Et même lorsqu'on dit plateforme, non, c'est pas une plateforme électorale. Mais jusqu'à date. Mais quand même, nous connaissons, nous organisons, nous dans ça. Et dans la période d'élection, on a fait plus poids et on a bien pile impact sur l'électorat. Parce que pile parti politique, même lorsque nous avons même idéologie, puis chaque nègre a un petit parti politique par haut et il n'est pas fait trop bon pour la démocratie, même lorsque multipartis n'ont pas. Et en fait, la démocratie admet-li, mais si nous semblons nous gamme tête, nous ensemble. Bon, ça nous fait, nous commençons d'ailleurs au niveau du consortium national des partis politiques. Nous fait expérience là. Il y a plusieurs autres plateformes qui en dans en tant là qui fait expérience là. Et expérience les nous tout ensemble dans les résultats. Et société attend un modèle de ces gens. Parce que si nous autres, les dirigeants politiques qui représentent l'élite pays, nous pas qu'à mettre tête nous ensemble, qui ont probablement des populations pour mettre tête nous ensemble, je dis, M. Mano, on solidarité nous perdit. On est dans un petit 38, il monte ton camionnette, il râle sur tout le monde, il fouille tout le monde allait. Comme si rien n'était, parfois tout le monde, rien n'était. Nous avons un problème, nous pas solidaires entre nous, nous diviser l'un avec l'autre, l'un a déchiré l'autre. Et c'est ça que ça nous dit, nous fait travail ça et nous engager nous la donne pour au plus haut niveau nous montrer la population et que nous entendons nous. Et ensuite, nous-mêmes, pour nous faire le même genre, parce que automatiquement, la population qui est née, ou bien des partis politiques et qui sont capables de charger nos messages, nous retirer dans la question de 200 partis politiques, et chaque fois intervention dans la presse, les populations ont trouvé nos situations, pas même qu'on côté l'IA, on peut garantir que c'est déjà un pas dans la bonne direction vers le développement du pays. Mm-hmm. Et puis nous-mêmes, tout nous fatiguer avec question instabilité. Politique pas qu'à faire dans craser vite machine moun. Politique pas qu'à faire dans faire désordre tout jour dans la rue. Politique pas qu'à faire, c'est autre toi que je m'y mets. Politique pas qu'à faire pour nous pas qu'à supporter tout ça on a fait qui bon. Politique pas qu'à faire pour ces ouk pour ta place là depuis c'est pas ouk là. Tout ça fait pour le craser, tout ça fait n'est pas bon. C'est ça que fait nous dit. Nous là pour nous encourager la stabilité et encourager la stabilité de passer par le respect de la démocratie et pour nous respecter le principe démocratique nous connaissons clair, il faut que nous esclaves de la loi. Et la loi elle est clairement dit en matière de démocratie, c'est la volonté populaire qui est la règle,
c'est le respect de la loi qui est la règle, et bien dans ce sens, nous-mêmes nous dit, faut de stabilité, un président élu, lui fait mandat, nous-mêmes nous préparer nous, pour nous venir après, si population en veut nous, nous encourager pour faire ça qui est bon pour le peuple là, et nous, s'il fait des bagailles qui pas bon, pour nous dénoncer, et pour nous proposer des bagailles qui bon, que nous ayons même nous pas ouais. C'est comme ça tout pays marché, et que nous-mêmes nous dit, nous prend devant, et nous demandons toute notre parti politique, toute notre organisation de base, toute nos tables qui croient que aujourd'hui, faut que Haïti décolle pour nous rejoindre nous dans le grand combat national, ça, pour nous décoller Haïti une fois pour toutes. Mm-hmm. Donc, des masses et initiatives, ça, Jean-Thierry Joseph, qui semblait à tête coupée, à des marches qui visaient institutionnaliser la vie politique, et parti politique d'un pays. Hein. Par exemple, dans le cadre des financements parti politique, est-ce que si plus parti qui semblait aussi qu'il y a trois grands partis politiques. Et est-ce que il pas plus bon au lieu que bon paquet de partis et mais il pas même bay moun élection même et donc est-ce que démarche pour mettre ensemble des partis qui semblait qui partageait même idéologie et est capable lié à institutionnalisation hein parti politique la vie politique même dans le pays exactement c'est ça lié parce que nous-mêmes nous dit les on pouvoir en place les gars des bagailles qui bon la fait nous doit encourager le président de la République lui lancer coup d'envoi lui lancer première pierre là et bien c'est à nous les dirigeants les partis politiques qui comprennent bien fondé démarche là qui pour jouer rôle paroi mais faut que moi dis où question renforcer institutionnaliser parti politique nous-mêmes nous sommes déjà entré d'ailleurs ouais nous offrir modèle là au niveau du consortium qui sont structures politiques qui étaient indivisibles depuis nous créer donc plusieurs partis aujourd'hui ou presque pas tant de nous parler de ICAD, parler de FRN, parler de voisins là, parler de partis ça ou encore, ou plus souvent nous parler de consortium national des partis politiques haïtiens. C'est-à-dire, nous font effort côté que nous offrons avec population et une entité. Mais maintenant, je veux dire, au niveau de l'entente, c'est tout un apprentissage, c'est ça que fait nous relancer cri d'abord, cri de rassemblement, et nous croyons que c'est déjà un pas. Un beau pas pour nous commencer à préparer et travail qu'a fait pour institutionnaliser parti politique. Nous-mêmes, nous connaissons ça. D'ailleurs, nous la donnons depuis longtemps, nous avons encouragé. Et comme on se dit, les plusieurs entités politiques mettent ensemble, bien possibilité pour nous imposer dans la société. Et l'autre monde qui a regardé, observateur qui a regardé, a dit non, moun sa yo, il semblerait que ce n'est pas intérêt mesquin qui motive yo, ce n'est pas intérêt de groupe qui motive yo. Mais ça qui motive, c'est l'intérêt supérieur nation. Que moi-même, moi toujours fait, et comme choix bataille, moi, depuis m'entrer dans la bataille politique, et tout le dirigeant, parti politique qui avait nous, au niveau de l'entente, il a gagné même préoccupation. M'a dit, nous, dans des réflexions que nous avons fait, monsieur, Zami Pam, toute réflexion nous fait, nous rendons compte, à travers le monde, des gros outils qu'on a besoin pour faire développement, c'est parti politique. Pour qui ça? Parce que c'est eux-mêmes qui aspirent à prendre pouvoir pour venir exercer pouvoir au niveau, non plus au niveau de l'État, au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement. Donc si eux-mêmes, ils n'ont pas présenté des modèles, si eux-mêmes, ils n'ont pas montré à la hauteur, ouais, pour adresser ce problème qui pipiti yo, eh bien, bon, garanti, pas gagné 4-7. Donc, nous pensons que la question, c'est chaque fois qu'il y a une élection, bon courant qui crée, et que courant ça, l'unique, il pas venu avec ni idéologie, ni vision, ni programme. C'est seulement slogan avec l'argent, et la population prend un slogan avec l'argent, et puis, au fin, pas gagné qui baille comme résultat. Donc, nous pensons, avec des massacres que nous commençons, hein, et n'a encouragé l'autre parti à rejoindre nous, et ça n'a pas rejoindre nous pour nous-mêmes et organiser dans le même sens là. Nous pensons qu'une fois nous arrivés là, pays nous capables de dire, nous faire premier pas, n'est-ce pas, vers le décollage du pays, et comme ça, nous capables de mettre nous ensemble, nous dire, les partis politiques disent,
nous capables de dire ça. Mais je dis, les, nous pas mettre tête nous ensemble, les gens voient parler, c'est voir un groupe, mais c'est pas voix de la classe politique, c'est pas voix une majorité représentative sous scène politique là. C'est ça n'a créé, n'a cherché et nous bail garantie à la population, n'a créé pour que nous finissions avec des autres ça qui gagne dans le pays. Et toute journée sont questions, pour les roches sont questions, instabilité sont créées, problèmes sont questions, pas l'empile qui fait tout le monde, tout citoyen honnête découragé à la politique et parfois pas même le leader politique. Mm-hmm. Bon, et je tiens là, et Jean-Tel Joseph, une grosse inquiétude concernant les élections pour le renouvellement du tiers hein, du Sénat. Et bon, il y avait gain de discussions qu'a faites dans le niveau institution, exécutif et législatif. Et est-ce que vous partagez inquiétude ça hein? Alors, est-ce qu'on peut reprendre une question pour moi? Je ne sais pas si c'est un bien. Mmh. Et oui, on a parlé de l'élection pour renouveler le Sénat. On dit quand même qu'il y a un pile parti politique qui inquiète parce que Jean-Baptiste a parlé là. Élection pour renouveler le Sénat qui n'a pas fait, disons, président animé de volonté pour le faire. Il y a des sénateurs qui estimaient quand même mandat clair dans la constitution et il y a des fois qu'il y a un compromis qui j'en ai même comme dirigeant politique ou analyser question ça. Bon, laissez-moi dire et ça sont questions qui préoccupent la majorité parce que tout haïtien. Mais vous voyez bagaille m'a dit une bagaille que nous ouais président Jovenel si on est elle parler lui kembe parole il soit dit dernièrement quand il vient que toute ça te promettre dans la campagne électorale, la fête. C'est-à-dire, le président te promet la fête élection, et bien jusqu'à présent, on croit président non, la fête élection. Mais le problème, le débat sur les mandats des sénateurs que nous connaissons aujourd'hui, hein, qui arrive à terme, nous pensons que les mandats sont directement l'application de la loi. Donc, dans le premier temps, il y a des sénateurs qui disent qu'ils sont pour 6 ans. Il y a des sénateurs qui disent qu'ils pour 4 ans, et il y a des sénateurs qui comprennent tout que les élections ont été organisées sont question 6-4-2. Donc maintenant, je dis un débat agité sur question 6-4-2. Donc moi-même, tout Jean-Noël, nous parle comment pour un être produit ou sénateur pour 6 ans, pendant que toutes les élections ont cette même date. Donc là, il est son évidence, il a deux ans qu'à priver à terme, et dans deux ans qu'à priver à terme, non, il faut de toute façon une décision politique. Et la décision politique lui revient directement au président de la République. Comme je dis, on m'a parlé en tant que président du consortium, et membre en tant que national pour la stabilité et le progrès, eh bien, pourquoi gagner une position qui est arrêtée, parce que le débat, ça nous va l'agiter au niveau en tant que là, nous pourquoi gagner une position arrêtée, moi parler à l'albaï une position qui se positionne pam comme Jean-Tel, même le consortium n'a pas encore une position sous question, hein, mais comme il est agité, moi promets tout nous va l'agiter, et dans la prochaine conférence de presse, nous, la positionner nous sous question ça parce que nous-mêmes nous disons tout pour ça qu'a fait pour la société la positionner nous sur lui. Mm-hmm. Bon et quand même vous souhaitez que j'en saute parler là et faut que la loi appliquer ou pas t'attendre un compromis ou opter pour un compromis politique. Allô oui allô ah, oui. Question non, j'en parle là au plus est favorable parce que la loi appliquée ou pas trop est favorable pour ta compromis politique. Tout le bagage. Yo toujours dit yo bon compromis. Et alors je préfère un compromis qui pas fin correct que ou aller ou pour un bon procès. Donc là ça c'est moi-même qui ça me le dit. Moi-même toujours encouragé. Ça nous est l'eau, on chute à tenter, on accord, on entente. Et d'ailleurs, où est-ce que vous venez avec moi, entente là, vous dites tout le bagaille. Là, il faut une entente nationale sur cette question. Et parce que, pour éviter à gagner de graves problèmes,
Donc, seul ça, moi, bon président qui sont comme des dialogues et qui ont capacité pour le mettre à la hauteur des tâches-là et pour le bail, réponse appropriée avec question ça. Donc, moi, je n'ai pas de doute, moi, quoi, dans le leadership du président Jovenel pour le bail, une réponse appropriée avec réponse-là. Mais cependant, la position de l'entente démocratique, c'est toujours, dans toutes circonstances, c'est toujours une attente. Mm-hmm. Bon, et qui j'en comprends, le comportement des sénateurs qui ont même conditionné la participation dans toute séance dans le Sénat à ce que une solution qui joigne clairement sous question ça. Et il y a même qui allait pour dire tout autant pas gagner une solution, pas jamais gagner une séance qui fait, qui ont analysé le comportement des sénateurs. Bon, moi, c'est là un problème. C'est là un problème. Bon, le Sénat de la République, le Parlement nous connaît qui important ce Parlement gagne comme institution. Donc, le fait qu'un parlementaire arrive pour conditionner participation non séance, là, je pense que là, c'est grave. Et moi, je prends même un parlementaire pour une autorité qui est plus haut placée que ça. Donc, parlementaire a eu voté, il y a un mission, il y a un job qui est payé pour le faire. Donc, job ça pour le faire, il faut qu'il y ait une séance pour le faire. Li. Donc, automatiquement, il choisit la conditionner vote, li, la conditionner participation dans la séance. Là, pour moi, c'est une forme de démission. Au contraire, pourquoi pas les sénateurs? Les députés, ils n'ont pas ajouté problème ça à nos séances. Donc là, on va quoi, on doit faire débat. Toute question d'intérêt national, ils ont qu'à mettre sous table, dans nos séances, les débats, et une décision qui prend sous lui. Exécutif là lui-même, capable de décider et publier ou bien et pas publier décision, même pas pourquoi le marronnage, même proposer que, monsieur, ils n'ont pas fait marron, ils n'ont pas marron, mais ils ont affronté le problème, ils ont entré dans le débat, ils ont fait objet de discussion, et puis ils ont une décision qui prend sur lui. Donc là, c'est un conseil que je bail pour le sénateur. Je ne crois pas que comme parlementaire, ils ont acheté, c'est nous-mêmes les partis politiques, c'est nous-mêmes, bien que le mandat appartient aux partis, ils ont pris une décision, mais ils ont agité dans la séance. Mais est-ce que le conseil électoral Léopold Bélanger n'est pas en partie responsable de ce qui a passé là? Parce que pas de gain, il n'y a pas de rien, l'élection au fait, il n'y a pas de rien sous qui est-ce qui 6 ans, qui est-ce qui 2 ans, qui est-ce qui 4 ans. Hein? Bon, il y a plein de bagages dans l'application de la loi. Mm-hmm. Ou capable, sous une provision légale, ou capable d'appliquer la loi directement. Mais si vous n'avez pas une provision légale, une provision qui est écrite en dedans, par exemple, on dit, pas une provision qui est écrite en dedans, décret électoral qui est en vigueur là, il y a une capacité pour faire appel à une jurisprudence. Nous avons une jurisprudence dans le cas, c'est pas vrai, monsieur Mano. Nous avons une jurisprudence. Donc, c'est même là, il n'y a pas de prévoir au niveau et loi électorale qui est en vigueur là, mais ils sont capables de faire appel avec jurisprudence. Donc maintenant, pas quoi ça pose un problème, mais c'est une décision, et c'est une décision pour prendre au niveau des autorités. Même si c'est une bagaille que moi-même pas apprécié, il y a des autorités qui peuvent prendre décision. La décision, le CEP, il est fait pour trancher, est-ce qu'elle a fait appel à une jurisprudence qui t'a dit, dans le temps, elle était fait 4-3-2 ou 6-2 ou bien qu'elle a fait appel avec la loi qui dit tout sénateur élu pour 6 ans. Là encore, il y a un problème, il y a une instabilité parce que l'élection n'est pas faite dans le même temps. Justement, tout le monde n'est pas monté même. Et puis, conseil n'a pas eu mandat tout. Conseil n'a pas eu exactement pour faire l'autre élection. D'ailleurs, je veux dire, c'est le conseil électoral permanent qui est en route pour le monter. Tout à fait. Donc, problème. Donc, chef l'État comme garant, hein, comme garant de la bonne marche des institutions. Non. Au moment opportun, le président, moi, certain, l'a dit le mot. L'a dit le mot qu'il faut. Mais cependant, la société, lui fait pour agiter problème, non? Promettons que, en tant que clan, pour aller gagner, pour lui adresser problème, non? Et positionner sous question ça, sous peu. Et nous souhaiter que, l'autre
stricture politique yo ta mette yo nan dimension pou yo même pran position même en position de ces gens et comme ça conseil électoral qui là qui lui même te organise l'élection là contingent pour le trancher mais là me pense que question est claire le fait que problème nan agité parlementaire commencer conditionner participation yo nan élection c'est que là commencer grand problème ou senti même yo même yo reconnaître que bon problème là qui obligé à adresser. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Tel Joseph, président du consortium et membre de l'entente nationale. Et c'est avec plaisir, nous t'ai fait chance avec vous, Mathieu. Merci beaucoup, M. Mano. M'a profité en l'autre fois pour moi et remercier tout le monde et, qui débranché l'émission, les dirigeants des partis politiques membres de l'entente démocratique, auditeurs, auditrices, internautes qui t'es branché nous. Merci le fait que nous t'es pris soin pourtant de nous. Nous souhaitons nous passer une excellente journée. Bonne journée à vous tous. Bonne journée, gentil.